Eh bien bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Je suis aujourd'hui avec Loïc. Comment ça va Loïc? Eh bien, ça va plutôt pas mal, et toi? Bah super. Et on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les boucles en algorithmique, où maintenant que vous savez à peu près tout faire avec les boucles, en tout cas écrire et utiliser des algorithmes qui contiennent des boucles, on veut attirer votre attention sur des erreurs à ne pas commettre dès qu'on écrit des algorithmes qui contiennent des boucles pour ne pas créer ce qu'on appelle des boucles infinies. Ouais, alors une boucle infinie, c'est une boucle dont le booléen n'atteindra jamais la valeur faux. Donc on sait que quand le booléen d'une boucle vaut vrai, on entre dans la boucle et on exécute ses instructions. Et ça, on le fait autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le booléen prenne la valeur faux. Et pour une boucle pour laquelle le booléen ne prend jamais la valeur faux, on appelle ça une boucle infinie. Et les instructions qui sont à l'intérieur sont exécutées indéfiniment. Alors commençons tout de suite par un petit exemple que vous connaissez très bien, puisqu'il s'agit de l'algorithme où on demandait à l'utilisateur s'il souhaitait prendre un café, oui ou non, et puis on vérifiait qu'il saisissait bien cette valeur. Donc une erreur classique à ne pas commettre sur du contrôle de saisie, celle-là, ici on a repris exactement le même algorithme que dans les vidéos précédentes, on a juste enlevé une instruction. Ouais, alors l'instruction qu'on a supprimée, c'est l'instruction lire rep. Cette instruction, elle permettait à l'utilisateur de modifier la valeur de la variable rep en saisissant une nouvelle valeur. Donc le but du jeu, c'est de faire remplacer sa réponse jusqu'à ce qu'il réponde soit oui, soit non. Si on enlève cette possibilité à l'utilisateur de changer sa réponse, eh bien, la réponse étant toujours inchangée, le booléen vaudra toujours vrai et on va avoir une boucle infinie. Donc ici, si on fait la trace de cet algorithme rapidement, imaginons que l'utilisateur saisisse une valeur qui est erronée dès le départ, il saisit quelque chose qui est soit différent de O, enfin qui est différent de O et différent de N. Eh bien, la condition de notre boucle va être vraie. On va rentrer dans la boucle, on va afficher le message erreur saisie incorrecte, recommencer en saisissant par O ou par N. On arrive à la collade fermante, on remonte, la condition de notre boucle est toujours vraie, on réaffiche le message d'erreur et à l'infini, comme ça, sans ne jamais s'arrêter, puisqu'on ne change jamais la valeur de la variable rep. Ouais, alors de manière générale, lorsqu'on fait du contrôle de saisie, la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est parmi les instructions de la boucle, permettre à l'utilisateur de modifier sa réponse jusqu'à ce qu'il entre quelque chose qui soit utilisable par le programme par la suite. Donc maintenant, on va prendre un second exemple, on va revenir sur les algorithmes qui permettent de faire du comptage, de compter le nombre de passages dans une boucle. Donc à nouveau, on reprend un exemple que vous connaissez très bien, qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Et de la même manière que précédemment, on a juste enlevé une instruction ici à l'intérieur des instructions de notre boucle, on a enlevé l'instruction qui permettait de faire l'incrémentation du compteur. Ouais, alors si on regarde la trace de cet algorithme, on voit qu'on a déclaré une variable i, on l'a initialisée à 1, et on arrive à l'instruction tant que, où on va comparer la valeur de la variable i à 10. Et donc ici, i vaut 1, 1 inférieur ou égal à 10, c'est vrai, on entre dans la boucle et donc on affiche passage numéro 1. 1 parce que i a actuellement la valeur 1. On arrive à la collade fermante du tant que, on remonte donc à la ligne tant que et on regarde quelle est la valeur de i, donc qui est restée à 1 puisqu'on ne l'a pas incrémenté. Donc 1 inférieur ou égal à 10, c'est vrai, on affiche passage numéro 1. On remonte, i vaut toujours 1, donc à l'infini, nous allons afficher le texte passage numéro 1 à l'écran. Et donc, dès que vous voulez compter en utilisant une boucle tant que, il faut surtout bien faire attention à ne jamais oublier l'incrémentation ou la décrémentation, ça dépend ce que vous faites au niveau de votre condition d'arrêt et de quelle valeur initiale vous partez, mais il faut faire attention à ne jamais oublier cette ligne d'instruction. Alors, une astuce pour ne jamais se tromper, c'est tout simplement d'utiliser la structure de la boucle pour à la place de la boucle tant que, puisque dans la structure de la boucle pour, on a déjà les trois éléments qui vont bien, c'est-à-dire l'initialisation, la condition d'arrêt et l'incrémentation. Donc, de par la structure, de par la syntaxe de la boucle pour, vous êtes sûr de ne jamais oublier l'incrémentation du compteur. Ouais. Alors, on va prendre un dernier exemple. Donc, c'est un dernier cas qui pose problème. Sur cet exemple, on vient de reprendre l'algorithme précédent. Cette fois-ci, on n'a pas oublié l'incrémentation du compteur. Elle est bien présente parmi les instructions du tant que. Par contre, ce qu'on a modifié, c'est la condition d'arrêt. Donc ici, c'est plutôt une erreur de logique, plutôt qu'une erreur d'oubli d'instruction. Si on regarde la condition d'arrêt, on voit qu'on a mis en condition d'arrêt i supérieur à 0. Tant que i est supérieur à 0, j'exécute les instructions. Donc en fait, dès que i est censé être négatif, on arrête. La valeur de i est initialisée à 1. Donc on arrive dans la boucle, 1 est bien supérieur à 0. Pas de problème, on rentre dans la boucle, on affiche passage numéro 1. Et on incrémente i de 1, on lui ajoute 1. I prend la valeur 2, on arrive à la collade fermante, on remonte, on vérifie la valeur de i, on la compare à 0. 2 est supérieur à 0, forcément c'est toujours positif. On re-rentre à nouveau dans la boucle, on affiche passage numéro 2 et on incrémente i de 1, qui prend la valeur 3, on remonte. 3 est positif, etc. etc. Ici, i n'atteindra jamais une valeur négative, puisqu'on est parti d'une valeur positive et on lui ajoute 1. Donc ici, on est plutôt sur une erreur de logique qui provoque également une boucle infinie, c'est que votre condition d'arrêt n'est pas correcte. Alors, le conseil qu'on vous donne de manière générale lorsque vous faites une boucle, quelle que soit la raison pour laquelle vous faites une boucle, c'est de toujours vous poser la question de est-ce que à un moment donné, ma condition d'arrêt, donc le booléen, va prendre la valeur faux ou non. Donc si vous faites attention à ça, vous allez pouvoir éviter ce problème qui est le problème de la boucle infinie. Voilà.
On en a fini pour cette petite vidéo sur les erreurs à ne pas commettre. Il nous reste une dernière petite chose à voir sur les boucles. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. À tout de suite. Ciao.